Bonjour tout le monde, c'est Jay sur Super Mario 64 et je croise les doigts pour finir le jeu. Hein? Point d'interrogation. On va essayer. It's me, Mario. Il nous reste deux mondes, l'horloge tic-tac et l'espèce de course arc-en-ciel, monde arc-en-ciel. Ce sont deux mondes. Bah, c'est que de la plateforme en fait. Hein. Plus les 100 pièces de chaque, forcément. Plus bah, Bowser final. Parce que bon, c'est quand même le boss du jeu. Hein. Et les 8 pièces rouges chez Bowser de ce boss final. Donc ça fait un sacré programme. Autant vous dire que il y a du taf. Et que connaissant ma maladresse, je suis pas sûr de finir aujourd'hui. En fait. Pourtant il reste que deux mondes, hein, en gros plus Bowser, mais ça va être chaud d'attendu tout ça. J'ai envie de commencer de suite par l'horloge tic-tac pour m'en débarrasser. Je sais qu'elle sera, même si elle est dure, ça sera quand même plus simple, plus rapide à se débarrasser que le reste. Par contre Mario, mets-toi en face s'il te plaît, je voudrais une caméra, voilà. L'horloge tic-tac a une particularité, vous voyez, le tableau c'est ça. Et les aiguilles bougent. Sauf que ça a une influence vraiment pour de vrai. Si je fais arrêter la grande aiguille sur le 12, toutes les plateformes du niveau seront à l'arrêt. Alors oui, ça va faciliter la chose. Mais bah, ça va bloquer aussi parce que je vais être handicapé à certains moments où je ne pourrai plus grimper parce que les plateformes ne bougeront plus. Si je rentre dans le tableau alors que la grande aiguille est vraiment sur la gauche, entre le 6, 9 ou 9, 12, les plateformes bougeront trop vite. Vraiment trop vite, ça va être injouable. Si j'arrête la grande aiguille entre le 12, 3 ou le 3, 6, les plateformes bougeront d'une manière normale et ça va permettre d'avancer. Mais bon, pour débuter, hop là. Mince, j'espère que ça reste sur le 12 du coup. J'espère que c'est à l'arrêt pour commencer. C'est pas à l'arrêt. Ah. Zut alors. C'est pas grave. Ça commence bien, c'est pas grave. Et viens là toi. Tac. Voilà. Alors, on peut déjà aller ici. Ça c'est le repère dès le départ de l'horloge tic-tac, j'ai un peu de reste sur ce niveau. Dès le départ on a un cœur là pour nous aider. Ça m'embête du coup d'avoir commencé directement avec les plateformes qui bougent, je vous le dis. Et j'ai pas... Mais c'était quoi le nom de le... Bon l'étoile, on va les faire dans le désordre, c'est pas grave. Bon. Tac. Ah oui, bien sûr, plateforme qui bouge plus tapis roulant, hein, sinon c'est pas drôle. On attend encore. On attend, on saute. On prend les pièces. Et on meurt. Et oui, forcément. Ne pas commencer de faire du stream sans mourir dès le départ, sinon c'est pas drôle. Bon, c'est pas grave. C'est le début, c'est la mise en chauffe. Mario bouge pas. Mario, s'il te plaît, je veux que tu me dises... Voilà. Je vais sauter sur le 12, maintenant. Normalement, c'est bon. C'est bon, elles sont à l'arrêt, ça va, ça sera plus simple. On va quand même chercher les petites pièces. Tac. Les 100 pièces, avec plateforme à l'arrêt, les 100 pièces, normalement, c'est pas possible. J'ai pas fait gaffe de... Encore une fois, le nom de l'étoile, je m'en fiche un peu. J'ai vraiment pas fait gaffe. Je devrais. C'est juste que j'ai repéré que les 8 pièces rouges sont déjà là, en fait. Donc, autant faire ça de suite. Tac. Ah, raté. Ah, ben, re-raté, en fait. Oula. Je sais qu'il est parti en vrille. Hein. Mario? Non? Tu fais grève? Non, c'est de l'autre côté. Allez. Voilà. Il n'y a pas là, c'est de l'autre côté encore. Voilà.
et de 4. Attention. 6. Il va tomber. Il va tomber, je le sens. 7 et la 8ème. Et voilà, étoile. Bon, maintenant faut l'attraper, ça serait autre chose. Parce que on a vu l'étoile bleue en bas, l'ombre de l'étoile. Mais c'est. Mais non, en fait, non. Parce que cette fichue étoile, elle troll à mort. Elle est là. Si j'y arrive. Voilà, elle est là. Maintenant faut l'attraper. Voilà, c'est bon. Allez, première étoile. En ne faisant que bah, des pièces rouges justement et les trucs d'en bas, ça fait quasiment un tiers, c'est pas mal. Tac tac, est-ce qu'on l'arrête ou pas? Non, on va pas l'arrêter, on va juste mettre des petites plateformes de manière normale. Ah, les 8 pièces rouges, c'était la dernière étoile. D'accord, bon bah roulement dans la cage. Roulement dans la cage, il va falloir monter. De toute manière, c'est un niveau où on peut que monter. Si on descend, on monte. Viens là. Tac. Donc, toujours dans l'idée de tenter de faire les 100 pièces en même temps. Et de 11. Il n'y aura pas des pièces tout le temps comme ça, je vous le dis. Alors là, va falloir bon courage. Pour attraper les pièces rouges comme ça, bon courage. Allez. Tapis roulant. Là j'ai pas du tout envie d'attraper ces deux pièces. Elles ne me plaisent pas. Par contre ça ouvre. Là je crois qu'il y en a 4 ou 5. Ou pas beaucoup. Il y a un espace entre le cube et la et le balcon. Oh là. Non, oh, c'est passé. Ok. Toi tu te pousses, merci. Un, deux, trois. Qu'est-ce que... il a dit c'était dans la cage. Dans la cage, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a vu une grande aiguille passer là. Je sais qu'il y a une étoile au bout. On les fait dans l'ordre ou pas? J'ai juste envie de faire ça très très vite. On va attendre. On va attendre qu'elle revienne. Elle est loin. Bon, l'étoile, on l'a vue. Elle est en face. Et on va se mettre sur le bout de l'aiguille. Ça va être un peu long par contre. Hein. Et le machin qui tourne là-bas, il est où exactement? Parce que l'idée c'est de pas se le prendre dans les pattes. On va attendre qu'elle s'approche plus de là l'aiguille, parce que sinon il y a la boule noire de Motus qui va nous cracher dessus. Ah non, tu me fais troll pour une aiguille. Oh non. Voilà, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une terrasse. Et on attend. Alors, je ne bouge que la caméra. Je vais anticiper la boule électrique qui va faire très mal. Non, ça va. Alors là, faut pas que je... Oh mon dieu! Non! Oh, c'est... Ouh là, où ça glisse? C'est bon, on a l'étoile. Ça va. Chevaucher l'aiguille. Alors bien sûr, ce n'était toujours pas la première. Oui, on sauvegarde, évidemment. Ouais, plateforme ralentie encore. Hein.
Chevaucher l'aiguille, c'était la 3. D'accord. Une pièce sur deux. Donc là, dans cette boîte, on sait qu'il y a 10 pièces. Allez, on recommence. Les petites plateformes. C'est stressant. C'est vraiment stressant. Non! Oula, la chance. On va attendre. On va attendre. Ok. De 16. Lui il va nous pousser, voilà. Sans faire gaffe. Les pièces rouges, ben on verra après, hein, j'ai pas le temps. Hein. Si j'ai pas le temps, si j'ai le temps, mais c'est juste que je vais mourir. Quoi qu'en vrai, si je veux faire les 100 pièces. Ah non. Il y a de l'espace, hein, c'est pas contre le mur, tout à fait. Ok. Alors là, il y a une cage avec une étoile. Alors pour la voir. Oh yes. Oh, yes. Here we go. Allez. Non. Mince, c'est sur le 12 tout pile. Les trous et le pendule. Alors déjà, il y a écrit trou. C'est mauvais signe. Et le pendule. Bon, pour le coup, on a arrêté les plateformes. J'ai arrêté. Bon, c'est sur la grande aiguille, sur le 12. Donc, les plateformes sont à l'arrêt. Ce n'est pas forcément la meilleure des options. Je vous l'accorde. Donc, on va en profiter. Puis l'idée, hein, il y a toujours 100 pièces. 100 pièces, elles vont pas arriver toutes seules. Hein. Et les pièces rouges, mine de rien, c'est deux pièces, enfin c'est deux jaunes, donc ça revient à la vie, ça fait 16. Et 16, c'est 16% des 100 pièces quoi. Ok, Mario, calme-toi. Les trous et le pendule, là. Ici, c'est la Safra 28, c'est vol d'étoile, on s'en bat les steaks, on l'a déjà. Il va falloir remonter de toute façon. Encore. Est-ce que vous voyez, voilà, c'est bon, on y voit quelque chose. Donc là, on a remonté au niveau de... là, il y a des pièces. Là-bas, il y avait des pièces. On en a raté une, deux. On en a raté 5 du coup. 5 pour 16. Ça me paraît pas mal. 5 pour 16.
fait, je crois que je suis mal tombé. J'aurais peut-être pas dû arrêter l'aiguille. Bon, c'était pas volontaire, mais quand même. Je crois qu'il y a un espace là, je suis pas sûr. Oh là! C'est pas le moment d'avoir le coup de foudre. Hein. 36 pièces. Une petite vie. Ouais, je m'en souviens. On va pouvoir monter. Il y a du cœur là. Voilà, il y a. Il y a la DDE là. Voilà. Ne me touche pas, DDE. On en a raté une pièce, c'est pas grave. Ne me touche pas, non! Non! Je suis deg. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, il nous faut activer les plateformes. Voilà. Les trous et le pendule. Il va falloir monter très très vite. Le truc c'est qu'il y a plusieurs pendules dans ce jeu. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, je n'en sais rien. Je l'ai fait, c'est tout ce qui compte. Ça aurait pas dû fonctionner ça, je le conteste. Ça non plus, hein. Le jeu est un petit peu permissif là. Excusez-moi l'aiguille, je passe. Non. Ok. Lui, je le sens pas, lui. Regardez-moi ce sort. Hop là, on passe. Tendu. Donc là, il y a l'ascenseur. Pareil, faut pas se planter. On remonte la vie. La pièce. Ne m'approche pas, monsieur. Merci. Ah mince, c'est par où du coup? C'est par là ou de l'autre côté? Plus. Ouais, là il y a juste une étoile qu'on peut avoir facilement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait cette étoile là ou on remonte? De toute manière, faut avoir les pièces. On va attendre.
espérant que l'autre ne s'approche pas. Je sais absolument pas si je suis en face. Hein. Yes. Ouais, c'est ça. C'est lui, là. C'est les, cette étoile. C'était, vous m'avez compris. Mais avant ça, ça va m'embêter. Oh. J'en ai raté 2 ou 3. Disons que j'en ai raté 2, ça fait 66. 76, 80, 30, 35 pièces. Il me manque 35 pièces. Ça, si j'avais pas raté les deux là, ça serait 35 pièces. Attends, caméra. Et là, il y a un ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher l'étoile, on est là pour ça. Eh mince, je suis où, caméra? Ok, je suis retombé de manière pas très très sale. Ça va. Là, ça va moins du coup, là. Oh mon dieu. Mais c'est pas possible! On n'y voit que dalle, hein. Attendez, 56 et 16. 35, 15. Si j'ai les pièces rouges. Je vais pas aller attraper les pièces rouges maintenant. Quoi. Ça ferait du 68. Attendez. 50. Remonter quoi. Non, on fera plus tard. C'est pas pertinent. J'en étais sûr. J'ai essayé de bouger pourtant. Ah là là. Yes. On commence à avoir le coup de main de tout ça pour deux pièces. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là?
On va aller chercher sa pièce rouge ou pas? Non. Un petit peu trop vite. Ok. Toi, tu vas embêter tout le monde. Là, doucement. Eh mince, c'est pas grave. Salut Ando. Oui. C'est là, hein? Oui, c'est là. Bon, faut imaginer que je suis censé être à 30 pièces, au moins. Raté 2. Donc là, je suis censé être à 64. Et une, 65. Je suis censé être à 65 pièces. J'en ai raté. Donc là, faut que... il y a de l'espace. Je saute. Là, il y a encore de l'espace. Je sois pendule. Et c'est bon! Continue sur cette lancée là, plateforme qui bouge. L'écrabouilleur. C'est quoi ça déjà? Non! Bon ben il y a Bobby, il est mort avec moi. Hein. Ah ben je suis tout seul. Et... Ah non, c'est avec moi. En fait. C'est pas vrai. Hein. Ah oui, il y a... oh, j'avais pas pris les pièces rouges tout à l'heure. Donc j'ai 65, mais 65 et 16. C'était 81.
viens de rater une pièce là. On va attendre. Récupérer la vie que je viens de perdre bêtement. Alors là, Mario remonte en faisant gaffe à la pelle. Ok, alors là il faut que je récupère les pièces bleues. Et après, faut que je fasse le chemin inverse hein, jusqu'à l'appel. Ça, c'est une autre affaire. Allez! Yes! 65! Bon, maintenant, faut pas que je me plante. Vraiment pas. Ok, c'est bien. Oh l'horreur! Oh l'horreur! Alors, on peut aller des deux sens, je crois. Horreur, flip et panique, hein. Je vois rien. Je vois rien du tout. Est-ce que vous voulez que je saute là? Ok. Alors là-bas, il y a quoi? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi il y a une plateforme là? Je comprends pas à quoi elle sert. Mais attends, je vais pas. Faut que je saute sur les trois là? Mais je vais jamais y arriver! Vous avez vu à quelle vitesse? 1, 2, 3. De toute façon, c'est une histoire d'écrabouilleur, donc faut aller de l'autre côté. Yeah.
Oh, il y a de l'espace. Mais ça va être la fête là aussi. Coucou Rim. Courage pour le taf. Il y a une étoile de l'autre côté, bordel. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Oh bordel, grosse bêtise, énorme bêtise. J'aimerais ne pas mourir. Ok. Et là, de nouveau, c'est le drame. Pas bon. Et adieu. Mamma mia. Ouais, c'est ça, moquez-vous. J'aimerais vous y voir sur ces plateformes. Ok, il y a une pièce qui a décidé de se faire la malle, n'est-ce pas? Oula, 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 oula. Oula.
Non mais ça va, oui, c'est la fête. Ok. Ça va un peu mieux quand même, ce cube. Ça reste récent, mais ça va un peu mieux. Qu'est-ce que je fais sur les pistes de les pistes de rien. En 3 minutes, montre à main. Bien sûr. Ben vas-y, Ando, je te passe la manette. On en reparle. Faudrait vraiment qu'il y ait une caméra tellement mieux pour voir les petits espacements. Tout petits. Le roi de la chute. Mon café va être froid. Oh, sérieusement. Ouais, roi de la chute, ça oui. La musique commence à être lourde et le pire dans tout ça, c'est que cette musique, on va l'entendre pendant encore longtemps parce que le prochain monde, c'est aussi cette musique. Et le prochain monde, c'est le pire. Donc déjà, faut que j'arrive à finir celui-là. Il reste 2 étoiles, enfin 3 avec 100 pièces. Est-ce que je fais les 100 pièces là? De manière, il faut le monde. Ah non, D2, pousse-toi. Ouais, l'appel, je l'ai appelé D2. Wow! C'est juste, hein? On les a toutes eues. Yes! La route arc-en-ciel, la route LGBT. Ouais. Elle est pas aussi tolérante par contre. Cette fameuse route.
Oh! Bon, je sais toujours pas ce qu'il y a là-bas, ça m'inquiète. Hein. Si l'étoile elle est là, ça me frustre. Hein. Mais bon. Il y a une étoile dans une cage là-bas. J'ai flippé ma maman. Oh là là, oh là. Oh. Bon, c'est là où on galère depuis tout à l'heure. Je n'arrive pas à monter sur le deuxième cube. C'est une minute. C'est une minute. C'est ça, c'est celle-là, c'est cette étoile-là. Oh là là. Je m'embête depuis tout à l'heure. C'est là que je dois aller. Les écraseurs, c'est ça en fait. Si j'arrive à ne pas glisser, bien sûr. Ah bon, j'ai tenté quelque chose, c'était pas une bonne idée. Auprès du mur. Ah non, je suis trop près du mur. Allez, saute. Je l'ai ? Non. Oh, bordel. Et après, il y a une caisse au-dessus. Je peux remonter et je peux ressortir et sauter de l'autre côté. C'est risqué, mais ça se fait. Et je suis à 65 pièces. 65 pièces. Allez. Ouais, je pense que les plateformes seront activées. Les crabes... Ah mince, c'était pas... C'était les sauts synchronisés, ça, c'était pas les crabouilleurs. Ah ben mince. On aura fait, dans ce monde, on aura fait toutes les étoiles dans le désordre. Il n'y aura pas une dans l'ordre. Les crabouilleurs, faut monter encore? Bon, 100 pièces. Il faut faire 100 pièces maintenant, par contre. Donc, 65 pièces, plus 16 des pièces rouges, ça fait 79. Sous réserve, bah déjà de pas rater ça là, sous réserve de les avoir, parce que là toutes les plateformes des pièces rouges bougent. Bon bah tant pis, on va rater deux pièces. Va les chercher les pièces rouges, parce que là du coup c'est y aller petit à petit à chaque fois, glisser, retomber, repasser par les plateformes, c'est hyper risqué quoi. Sérieusement, j'ai déjà raté 3 pièces quoi.
81. J'ai mal compté? 65 et 16. Oh oui, pardon. Moi et les chiffres, vous savez. Le petit espace là. On l'aime, le petit espace. C'est tellement fourbe. Bon. De nouveau les caisses bleues. Hein. Non. Ne m'approche pas. Mais... Va-t'en encore, va-t'en encore. Alors, ici, le prof de maths, peux-tu le tuer? Non, je peux pas tuer l'appel. Parce que cette chupelle, c'est à la fois un truc qui est chiant, mais c'est aussi un allié. Sachant que les pièces rouges sont tout en bas, hein. Si je dois les avoir, faut que je redescende. Je suis allé au bluff là. Et là c'est le drame. Là je sais pas comment faire. Enfin, si j'ai une idée, mais j'ai tellement peur. Oh mon dieu, non! Mario, non! Vas-y. Voilà. Et là? Oh. Et voilà pourquoi. Oh, je suis retombé là! Non! Sinon, les faire des pièces rouges. Hein ah non. Si à la fin il me manque que les pièces rouges, ça me fout pas les pieds.
Soumira les espaces du diable. Ouais. Attends. 11 pièces, 11 pièces plus une. Il n'y avait pas un bloc au-dessus de la dernière étoile? Ouais, mais en fait, je me rends compte que ce que je disais tout à l'heure, moi je voulais faire un grand saut depuis la dernière étoile que j'ai eue. Je peux pas le réussir. Ça, par contre, c'est chiant. Hein. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Bon là les blocs à côté, c'est pas trop long. Allez, pause. Qu'est-ce que vous dites? Ne pas couler les murs. Oula! Oh! Ok, alors c'est là que c'est la galère. Bordel! Je voulais que je passe là-dedans, là ? Je suis passé. Mais il y a un truc, là. Vous l'avez tous vu. Pièces. 83, 89. C'est quoi ces plateformes? Il y en a 3. Il y a un truc qui tourne là-haut. À partir de là, c'est galère, hein, je m'en souviens plus. Hein. J'ai vu des pièces, c'est des pièces hein, c'est des pièces, et eh oui, sinon c'est pas drôle, c'est des pièces là aussi, et eh oui, oh là là, et l'étoile elle va être là, non pas encore, ça
Sauf que ça pardonne pas, quoi. Ça pardonne pas. Regarde, attends. Je pars à gauche et à droite. Rodéo, tombe sur quelque chose. Mario tombe sur quelque chose. Caméra, vite. 1, 2, 3. Et non. À cause de la caméra, je meurs. Parce que j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Oh, les boules. On y était, hein. Je suis sûr. Bah oui, enfin oui. Vu tout ce qui est monté, là. Mais il va falloir les pièces rouges. Et en laissant le pendule à l'arrêt, je ne peux pas avoir les 100 pièces, c'est pas possible. Parce que pendule à l'arrêt... Déjà l'ascenseur il monte pas. Et attendez. Je peux monter jusqu'au... Vraiment à l'ascenseur... ouais. Et au-delà je peux pas. Hein. Ah non, je peux pas avoir les 100 pièces. Je suis obligé de laisser les plateformes actives. Bah go, hein. Sauf que plateforme active... Bon, Bobby, tu vas arriver, oui. Plateforme active, c'est pièce rouge... RIP, quoi. Bon ben j'aurai aucune des deux pièces, déjà ça commence bien. Pas en avoir une. Voilà, j'en ai eu une, c'est pas mal. Non, c'est risqué. Est-ce que par hasard, hop là, en dos, si on trouve par là, tu peux me dire combien il y a de pièces au total dans le niveau? Tu le peux le savoir sur la solution de jeuxvideo.com. Voilà, encore une pièce ratée. J'ai raté 3 pièces là déjà. Ah. Hop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends pour attraper une pièce? Je pense que ce passage là c'est pas le plus compliqué. On va dire que je le maîtrise à 100%. Ça. Voilà. Ça fait 3 pièces rouges. Pièces rouges, hein. Ouais, 3 pièces rouges. Donc on peut y penser pour la prochaine fois. On peut attraper 3 pièces rouges comme ça. Déjà 6. 6 pièces au total, jaune. Je me comprends dans mon barabinage. C'est le principal.
Ça, ça pardonne pas par contre. Allez, on monte. Ma petite vie. DDE qui va nous dire bonjour. Voilà. Pièces. Bon, alors là, c'est là où, où je suis mort tout à l'heure, hein. Enfin, dernièrement. Ah putain, pardon, excusez-moi. Ok, là-bas il y a une caisse. En dessous il y a aussi une caisse. Mais ça remonte où après? Est-ce qu'il faut absolument que je l'attrape celle-là? Disons qu'il y a 3 pièces dedans, il y a 10 pièces, je sais pas. Je suis à 82 là. Et là c'est la mort. Si l'étoile elle est juste en haut et qu'il me manque que ça. Passé
Mon dieu, je suis passé. Et là-bas, il y a une caisse aussi. Attends, ça tourne comment, ça? Non! Ok, je suis tombé Ok. Là c'est moins ok, mais... Ça passe. Mais il va y avoir du feu là. Il me manque 11 pièces. Je fais quoi? Il me manque 11 pièces. Il y aura pas les 100 pièces. Et qu'est-ce que... Non, j'ai pas vu. Elle est là. 11 pièces. J'ai l'étoile là, mais 11 pièces quoi. 11 fichues pièces. Sachant qu'il me reste... Attendez, j'appuie sur ça. 5. Ça fait 10, 4... ça fait 99. Plus une caisse. Ah, je suis deg. L'horloge tic-tac, j'ai toutes les étoiles, mais pas les 100 pièces. Sachant que les 100 pièces, un peu par maladresse, encore et toujours, j'en ai raté, j'ai raté 1, 2, j'ai raté 3 pièces facilement. Ça fait 91, 10, 11, 12, ça fait 92. Juste des pièces rouges, voilà. Et des caisses. Bon, les caisses... J'aurais dû sauter en fait, mais alors par contre pour monter après, rude. Bon.